Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements du Bouddha et voir comment ils peuvent être appliqués pour améliorer votre vie quotidienne. Commençons par les quatre nobles vérités, qui sont au cœur du bouddhisme. La première vérité est la réalité de la souffrance. Chacun de nous fait face à la souffrance à un moment donné de sa vie, qu'elle soit physique ou mentale. La deuxième vérité concerne l'origine de la souffrance, qui est souvent liée à nos attachements et à notre désir insatiable. La troisième vérité nous dit que la souffrance peut être surmontée. Oui, il est possible de trouver la paix et le bonheur. Enfin, la quatrième vérité est le noble sentier octuple, qui est le chemin pour atteindre la libération de la souffrance. Le noble sentier octuple est composé de 8 étapes essentielles pour vivre une vie plus épanouissante. Ces étapes incluent la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens de subsistance juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. En pratiquant ces principes, nous pouvons progressivement éliminer la souffrance et atteindre un état de paix intérieure. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Voici quelques conseils pratiques. Pratiquez la méditation pour développer la pleine conscience et l'attention juste. Cultivez la bienveillance envers vous-même et les autres. Apprenez à lâcher prise et à réduire vos attachements. Soyez conscient de vos paroles et de vos actions, en veillant à ce qu'elles soient justes et bienveillantes. Cherchez à vivre une vie équilibrée, en évitant l'excès ou la privation. En résumé, les enseignements du Bouddha offrent un guide précieux pour améliorer notre vie quotidienne. En pratiquant la méditation, la pleine conscience et en suivant le noble sentier octuple, nous pouvons trouver la paix intérieure, la sagesse et la compassion. N'oubliez pas que cela demande du temps et de la pratique, mais les bénéfices en valent la peine. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le bien-être et la spiritualité. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Et à bientôt.